sorcière, tu vas pas prendre comme une sorcière comme ça. Dégage. Yes. Bonjour papa. Bonjour. La vie va te recevoir, là nous sommes. Ok, d'accord. Bonjour Flavie. Bonjour le père. Qui est dans la maison? Personne. Même papa n'est pas là? J'ai dit personne, donc moi-même je ne suis pas là. Ben, ça tombe bien. Ah Fabiola, qu'est-ce que tu as grandi? Tu es devenue une femme. Tu es belle. Tu es belle et puis... Merci le père. Sauf que je voudrais quand même que toi et moi, on puisse se voir de temps en temps. Surtout, je ne voudrais pas que ton père sache ou ton frère. Qu'est-ce que tu veux? Oh non, rien de spécial. Je vais te donner tout ce dont tu auras besoin, tout ce que tu veux. Tu as bien dit, tout ce que je veux. Oui, c'est ça. Je veux 100 000. Ok. C'est le salaire? J'appelle mon père. Non, Fabiola. N'appelle pas ton père. Qu'est-ce que ton père vient voir dans nos affaires? Mais ici. C'est une histoire qui doit rester de toi à moi. Hein? Je vais te donner tout ce que tu veux. Je vais te donner l'argent. Mais il ne faut pas seulement que quelqu'un soit au courant de notre histoire. Mais ici. Je vais te donner déjà ce que j'ai là. D'abord un peu. Ne me prends pas pour l'enfant. Le reste. Il n'y a pas de réduction à ça? Tu vois le marché quelque part ici. Tu vas dégager d'ici et estime-toi heureux que je ne dise rien à mon père. Hé! Mon reste d'argent. Écoute Fabiola, j'ai dit que j'allais te donner de l'argent encore. Après, c'est pas là, je pourrais te faire même un transfert d'argent. Mon père. Non, ne va pas jusque-là, tu vas pas appeler ton père pour si peu. Mais ici. Bon, d'accord. Il restait 90 000 francs. Je vais te faire le transfert. Donne-moi ton numéro. Pourvu que cela soit de toi à moi. Ok, ça va. N'est pas arrivé. Regarde bien, je fais le transfert. Ok, c'est bon. 90 000. D'accord. Écoute, Fabiola, est-ce que, s'il te plaît, est-ce qu'on peut se voir hors d'ici, même en soirée, pour que on cause... Sors d'ici. Dehors. Ça vous apprendra à draguer les filles de vos amis. Dans la maison, on a tout dit que je suis bête. C'est ça que je suis moi bête. Mais aujourd'hui, là, ma petite a payé. Donne ma part. Vite! Donc, tu nous écoutais. Tu crois que quoi? Ici. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'entendre la mer, vu que ta tête est aussi vide qu'un coquillage d'escargot. Ah bon, hein? Si c'est comme ça, là, papa va savoir tout ce que tu as fait et que tu as appris là, son ami qui t'a gagué. Mais là, rapidement! Vite! Mais manqué, ça c'est quoi? Ajoute! Merci ma grande chérie. C'est du poisson brisé. Quoi? Non. C'est du poisson frit. Ça vient de chez la voisine. En tout cas, l'odeur est forte, hein? Qu'est-ce que le Toto s'il va encore nous montrer? C'est bon, hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle a mangé là. Bon appétit. Merci, ma grande sœur chérie. Merci. Quand je suis entré ici, j'ai humé l'odeur du poisson. Tu m'as dit que ça vient de chez la voisine. C'est ça la voisine ici? Qui a amené le poisson dans cette maison? Ah, laisse-moi t'expliquer. Alors, on le fait ça. Ta fille, sinon, elle aime trop l'argent. Toi, ton ami Parvin qui vient souvent ici, avec lequel tu bois à la véranda, là, non? Oui, oui. Il a gravé aujourd'hui. Il a eu le culot de demander où c'est 80 000 euros, où c'est 90 000 euros. Hein? T'avais ça qu'elle a acheté au poisson brisé que tu m'avais mangé. Je pense que les nightclubs où tu parles dérèglent déjà le fonctionnement de tes cellules grises. À partir d'aujourd'hui, tu vas donner les coups à ton frère la nuit. Les sorties, c'est fini pour toi. Et toi, si le Toto la met encore ses pieds ici, fais-moi signe. Par rapport que là, fais-moi confiance. S'il met encore ses pieds, je veux tout te raconter. Ne t'inquiète pas. Pour une fois, tu veux quelque chose de bien. Rembourse-moi. Te rembourser quoi? J'ai donné de l'argent pour que tu te taises, non?